Ça va. Ouais, calme-toi, c'est ici. C'est quoi? Toi, tu sors d'abord loin là-bas des quartiers difficiles. On t'amène au moins là où il y a la civilisation, tu commences à te plaindre. C'est pas moi, c'est à fatiguer, mais je depuis qu'on marche là. Mais ça me doit servir. C'est ici. Viens comme ça, viens d'abord. C'est quoi, tu cours seulement, c'est quoi? Attends, moi, je suis fatigué. C'est ma nièce, non, c'est la fille de Paul. Paul, le que tu connais, non, mon grand cousin là. Paul. Il est en vacances. Nous sommes en juin, c'est les grandes vacances. Paul est venu en vacances. Je ne veux pas les problèmes. Quand tu me vois là, je n'aime pas la paix. Est-ce que je n'aime pas la paix? Tu vas me chercher la rivale, tu viens me dire que c'est ta nièce, elle vient passer vacances. Ouh là, nom de qui? Rival comment? Regarde-moi une personne comme ça, elle est d'abord là comme une rose. Tu me dis que passer vacances. Elle grandit vite. Elle grandit vite. Elle grandit vite. Ce n'est pas chez moi. Non, elle n'en manque pas. Regarde comment elle est d'abord insolente. Elle dit d'abord qu'elle est fatiguée. Elle vient passer vacances. Tu sens que quelqu'un ne va pas m'aider à faire quelque chose. Je refuse. Je dis qu'elle ne passe pas les vacances. Ce n'est pas chez moi. Demain, elle va vous laisser causer. Moi, elle va entrer. Entre. Pas entrer. Je suis en train de partir, voici la clé de ma maison, va entrer. Comme tu es mental, tu viens ici là, tu ne connais pas, tu dis que va entrer alors. Pourquoi la femme c'est insolente comme ça? Donc maintenant c'est moi l'insolente. Maintenant c'est moi l'insolente. Pourquoi tu te comportes d'abord comment? Avec les piercings partout, les cheveux des rouleaux. Lui a le corps, tu m'amènes là. Quand tu fais comme ça, on arrive dans la clé. Tu veux encore chez mon nom, c'est quoi comme ça? Tu veux encore chez moi? Non, et tu parles. Si c'est ton nom, ça veut dire que je suis censé tout attendre. Et puis tu me retrouves d'abord. Oui, Laurent. Tu peux mettre ta bouche quand on te parle. Tu arrives, tu me dis que tu es fatigué. Tu peux mettre ta bouche quand on te parle. Je suis en train de partir pour les achats. Et comme je parle, il veut durer là-bas, je ne rentre même toi. Va te battre, va chez ton ami qui est ici. Elle là, elle n'entre pas chez moi. Allez, Pourquoi tu viens d'abord, c'est les problèmes. Tu viens encore, tu commences à faire les problèmes. Moi, je pars chez mon ami et je te laisse ça. Moi, je pars avec toi. Non. Je vais te donner ta langue. Si tu pars, tu pars chez ton père. Je ne vais encore pas. Tu pars chez ton père. C'est quelle histoire ? Laisse-moi tranquille.